plus. Je sais pas, je connais pas. De quoi? À Farnham. Je connais juste. Ouais.
On m'entend bien? C'est bon? Oui? D'accord. Victorine, la période de questions est ouverte. Bonsoir, André Bugeaud. Bonsoir, avant, M. Bugeaud. Bonsoir. Avant de poser ma première question, j'aimerais savoir s'il y a une réponse à la question que j'avais posée lors de la dernière réunion, de la dernière assemblée, sur la protection des artefacts. J'ai pas de réponse à vous donner à l'heure actuelle. OK. Pour l'instant, il n'y a pas de développement dans ça. Il n'y a pas, ben, ça n'a pas bougé, non. OK. Ma question est en rapport avec le point 7.12. OK. OK. Alors, le 14 novembre 2017, la Ville a adopté une résolution
la résolution 2017-11-416, dans laquelle il y avait deux considérants. Le premier était que la Ville souhaitait imposer une réserve foncière sur le lot 5-300-051 pour le prolongement de la rue Bourgogne. Et le deuxième considérant disait que il y a lieu de prohiber toute construction, amélioration ou addition sur une partie de cet emplacement. Alors, ma question, c'est, est-il prévu que des commerces puissent s'installer dans la zone sur laquelle la Ville a imposé une réserve foncière le 14 novembre 2017? Écoutez, si mes souvenirs sont exacts, la rue Bourgogne va se continuer, va passer à côté des commerces techniques auto et puis pour aller justement être capable de faire une voie de contournement pour éviter que les gens passent par la rue Daigneault tout le temps. Fait qu'ils vont passer par la rue Bourgogne, ils vont pouvoir revenir sur leur pas. Il y a tout un projet qui a été fait pour être capable de sécuriser. Maintenant, il y a une partie qui a été réservée justement pour être capable de passer. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des commerces, etc.? Là, ça, j'ai pas les fins détails de ça, mais c'est vraiment pour être capable de sécuriser le carrefour, pour que les gens puissent tourner, plutôt que de tourner puis de traverser Périgny, ben, ils vont être capables de passer par Bourgogne puis revenir pour aller chercher la rue Daigneault. OK. Sur le site Developers and Chains, sur le web public, il y a une pré-vente qui est déjà commencée pour des terrains qui vont se vendre là, à l'emplacement où vous allez faire les boucles pour le prolongement de la rue Bourgogne. Et quand on communique avec Brookline Development, qui est à Montréal, le représentant est M. Jamie Roskies, mais on reçoit le plan des commerces qui vont s'installer. C'est déjà publié. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous ne le savez pas. Parce que ça n'a pas fait de partie des conversations qu'on a eues dernièrement au sein du conseil. Écoutez, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Par contre, on peut les trouver, les réponses. OK. Est-ce que les terrains de golf, le terrain de golf de Chambly qui reste le 5-300-051, celui pour lequel on aimerait avoir une partie en parc nature, là, est-ce qu'il est vendu? J'en ai aucune idée. Ça appartient à M. McLean. C'est une transaction entre un propriétaire privé qui possède un terrain qui va le vendre à un entrepreneur ou à un autre propriétaire qui va en faire une acquisition. À ce qui me concerne, on contrôle pas la transaction financière là-dedans. Là. Bon, quelqu'un m'a dit aujourd'hui que c'était vendu. C'est pour ça que je m'en demandais. J'ai dit peut-être que la ville est déjà informée. Qui vous a dit ça? Quelqu'un vous a dit ça? Oui, quelqu'un m'a dit ça. Puis quelqu'un, qui vous a dit ça? Ben, c'est quelqu'un que je connais, que je nommerai pas publiquement. Bon, ben écoutez. Ben, je pose la question parce que je dis, s'il est vendu, la ville le sait. Normalement, quand il y a des transactions, on le sait. Il n'y a pas de transactions présentement sur les terrains que vous citez. OK. Je vous remercie. Mais encore là, si ça a été vendu dans la dernière semaine, puis le temps que les transactions soient enregistrées, ouais, puis que les transactions puissent s'acheminer au service des finances pour la taxation, puis au sujet de passation de titres ou des échanges de titres, bien là, ça peut prendre des délais, là. Mais écoutez, okay, ça a été vendu, ça n'a pas été vendu. Non, je comprends qu'il y a des délais entre une transaction et la passation des papiers officiels, tout ça, là. Oui. OK, ça va. Merci. Merci. Bonsoir, mon nom est Dominique Bélan. Alors, j'ai une question, mais j'ai un préambule avant. Je vais lire une citation de Louis Villeneuve, qui est maire de Bromont, et qui dit « Les résolutions adoptées par les élus lors des séances du Conseil sont la base des communications envers les citoyens. Il est important que ceux-ci puissent assister à ces prises de décision. Comme ce n'est pas à la portée de tous de se déplacer à l'hôtel de ville pour assister à la séance, avec les moyens technologiques dont on dispose désormais, il est possible d'offrir ce service aux citoyens. » Alors, voici donc la liste des municipalités au Québec qui permettent la diffusion des séances de leur conseil municipal. C'est une liste qui est encore incomplète. Alors, la Ville de Montréal, ainsi que les arrondissements de La Salle, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Outremont, Saint-Léonard, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Verdun, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent, Rosemont-la-Petite-Patrie, Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro, Lachine, Ville-Marie, Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, ainsi que les villes de Hudson, Vaudreuil-Dorion, Magog, Gatineau, Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Colomban,
Sainte-Brigitte de Laval, Châteauguay, Longueuil, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Granby, Terrebonne, Mascouche, Saguenay, Saint-Bruno-de-Montarville, Sept-Îles, Laval, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-sur-Richelieu, La Prairie, Trois-Rivières, Brossard, Blainville, Delson, Matane, Lévis, Sorel-Tracy, Rimouski, Sainte-Marie-Madeleine, Belleuil, Rivière-du-Loup, Bois-Briand, Sainte-Thérèse, Pointe-Claire, Victoriaville, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Côte-Saint-Luc, et avec les villes de Shawinigan et Bromont qui vont offrir la diffusion sous peu, on arrive pour une liste qui est incomplète déjà à un minimum de près de 5 200 000 personnes qui ont accès pour le moment à des vidéos des séances de leur conseil municipal. Alors ma question c'est, quand est-ce que la ville de Chambly, qu'est-ce que la ville de Chambly attend pour arriver au 21e siècle et se mettre au service des citoyens comme son rôle et ses responsabilités le commandent? Bon, on est 1100 municipalités dans le Pichetot au Québec. Alors donc, La liste était courte, il faut dire. On parle de 8 millions au Québec. 8 millions, oui. Le nombre de villes, il y a 1100 villes. Je cherchais le nombre de villes sur la liste. Alors, s'il y en a une centaine, on parle de 10% des villes. Je suis certaine que Mme Bélair va vous fournir la liste, M. Gélinas. Je veux le pourcentage des villes. Sur quoi on a le droit d'intervenir? Ben, écoutez, c'est une période de questions qui est réservée aux citoyens. Alors, écoutez, c'est pas qu'on... C'est pas une période de débat, c'est une période de questions. Il y avait une question de la citoyenne. C'est pas le nombre de citoyens qui m'intéressent, c'est le nombre de villes. Non, mais je ne savais pas qu'on pouvait intervenir avec les citoyens. Mais, maintenant que je le suis. En principe, M. Lambert, en principe, non, ne devrait pas. Malheureusement. Okay, donc, il faut respecter le décor. J'aurais, oui. Donc, il aurait voulu rappeler M. Gélinas à l'ordre. Absolument. Oui, Monsieur Gélinas, vous n'aviez pas intervenu. Merci. Louis Chevrier. Monsieur, si vous voulez intervenir, parlez au micro, s'il vous plaît. Merci. Louis Chevrier, rue Jean-Salomon-Taupied. Alors, mesdames, messieurs les conseillers, à la suite de la proposition votée à 4-2 à la séance du Conseil du 16 janvier 2018, concernant les échanges d'odonymes pour les rues Ostigui et Colborne, la Ville a-t-elle enclenché des démarches ou des actions dans ce dossier? Il y a une résolution qui a été adoptée. Oui. C'est déjà une action. Et ensuite? Et ensuite, normalement, il aurait dû avoir une lettre qui est envoyée aux résidents de la rue Colborne, Monsieur le directeur général. Je vais répondre. Suite à la résolution, des documents ont été envoyés à la Commission de toponymie du Québec. Ils ont reçu. Je pense qu'ils ont reçu. Deuxièmement, oui, il y a une lettre qui a été envoyée, je crois, hier, aux résidents des rues Colborne et Ostigui pour leur expliquer la situation. Et ils vont recevoir un deuxième envoi dans quelques semaines, leur expliquant la façon de faire là, pour faire les changements d'adresse. Et on va leur donner l'accompagnement que le conseil municipal nous a demandé. Donc, vous avez envoyé le dossier à la Commission de toponymie du Québec. Est-ce que la Ville a l'intention de se soumettre à la décision des commissaires de la Commission? Bon, il va falloir attendre la décision des commissaires en premier pour savoir c'est quoi, là. Puis si ça ne fait pas votre affaire, ben vous allez pas suivre la décision des commissaires. Est-ce que c'est ça la réponse? Bon, le conseil est souverain. Le conseil a le droit de choisir la réponse qui leur convient. Alors, mesdames et messieurs les conseillers, j'aimerais que vous réfléchissiez encore à cette question-là. Je vous ai envoyé à tous un texte sur la rue Ostigui, qui d'ailleurs m'a valu une certaine salve d'injures, disons, ou de commentaires désobligeants. Et j'aimerais que vous réfléchissiez surtout à la tristesse que ça a causé à Chambly, ce changement d'odonyme, notamment celui
concernant la rue Ostiguier, une rue qui a, je le répète, 110 ans. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez encore parce que ça sème la zizanie dans la ville et je pense que la dernière semaine ou les dernières semaines ont été riches en événements et je vous demande de reconsidérer votre décision. Bonsoir, Madame, Messieurs les conseillers et Monsieur le maire suppléant, qu'on dit? Oui, monsieur suppléant. Oui. Mon nom est Lynne Roberge. Oui. Je voudrais, ma première question... Juste un instant, je l'ai fait l'enregistrement, il est 8h13, c'est juste pour une question de timing. Pas de problème. Oui. Ma première question est comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont été empêchés d'entrer dans la salle du conseil ce soir? Écoutez, suite au dernier... J'ai une deuxième question après, c'est possible? Je les pose toutes ou... Posez-les toutes. Puis si non, allez-y avec votre réponse, je vais être... D'accord. C'est que, considérant la grande quantité, la grande assistance, il y a des gens qui étaient debout dans les escaliers, etc., le service des incendies a été mis au fait, des événements et a constaté qu'il y avait une trop grande... occupation. Le code de sécurité, le code du bâtiment impose des limites pour fin de sécurité et ces limites-là n'étaient clairement pas respectées. Or, donc, ils nous ont avisé qu'on devait mettre en application la réglementation et respecter le code de sécurité du bâtiment qui limite à 52 personnes les places assises et les personnes qui sont tout autour ici. Donc, le maximum, c'est 63 personnes. OK. Ce que je me demande suite à ça, comment ça se fait que les citoyens de Chambly n'ont pas été avisés par les voies publiques de cet état que vous alliez accepter seulement 50 personnes dans la salle ce soir? Il y a des gens qui sont venus, qui se sont déplacés. Ça aurait été bien pour eux de le savoir d'avance. Et puis, mon commentaire, c'est que voici une bonne raison pour avoir la web diffusion de nos assemblées municipales à Chambly. Merci. Bonjour, M. Dufresne. Bonsoir, M. Dufresne. Ma première question. Lors de la demande officielle de la coalition pour un 4e, 5e secondaire de Chambly, où vous étiez vous-même présent, la présidente scolaire de la commission a mentionné que la ville devra lui céder un terrain pour l'agrandissement de l'école secondaire ou de la nouvelle école primaire. Donc, ma question est de savoir si la ville a déjà réservé un terrain quelque part pour l'une ou l'autre de ces éventualités. Écoutez, moi, selon ce que je connais du dossier, à l'époque, quand l'école secondaire s'est fait construire, il y avait déjà le terrain en arrière qui était prévu à l'effet d'un agrandissement potentiel. Maintenant, est-ce que ça appartient à la commission scolaire, est-ce que ça appartient à la ville? J'ai pas cette donnée-là. Mais, écoutez, tout peut se vérifier, là. Mais effectivement, si il y a une question de céder les terrains, etc., on se penchera sur la question. Mais à ma connaissance, le terrain existant est déjà peut déjà accommoder l'agrandissement potentiel. Mais il n'y a rien d'officiel encore. Écoutez, je fonctionne avec les connaissances que j'ai du dossier présentement. Maintenant, on peut creuser la question, on peut s'interroger, on peut aller fouiller plus loin. Mais comme je vous dis, à ma connaissance, le terrain existant avait déjà été prévu pour un agrandissement potentiel de l'école secondaire dès la construction. D'accord. Deuxième question. Je vous ai soumis en septembre 2016, ce qui remonte quand même à un an et demi. Une problématique au niveau de la sécurité des enfants auprès d'une garderie dans le secteur de Anne-le-Seigneur, Parc des Patriotes, dont j'ai commencé à obtenir des conversations seulement en décembre. Par la suite, ça a été difficile d'avoir des réponses. J'ai reçu un message téléphonique de votre part en avril 2017 me disant que tout avait été réglé. Je peux vous faire écouter le message si vous voulez bien. C'est pas nécessaire, mais écoutez... Ben, je pense que ce serait bon pour tout le monde d'entendre le message, là, comme de quoi c'est réglé, mais qu'actuellement, il n'y a rien de fait. Oui, ben, effectivement, les démarches avaient été effectuées, ça avait été accepté. Maintenant, ça avait été la propriétaire de la garderie n'a pas mentionné qu'elle voulait... Elle a été approchée, puis elle a dit non, j'ai pas besoin d'un trottoir, c'est pas un problème, je veux pas avoir ça. Donc, c'est elle qui a refusé. Maintenant, à partir de ce moment-là, écoutez, le directeur des travaux publics est allé la rencontrer.
Puis moi, j'ai été la rencontrer aussi. Je lui ai expliqué la problématique. Je lui ai fait une proposition. J'ai tout fait ces démarches-là. Puis quand est arrivé le temps de la mettre en application, ça a été sa décision de refuser, de dire non, non, je ne veux pas avoir de trottoir. Maintenant, écoutez, à partir de ce moment-là, on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose chez eux. Comme ça, ça prend une instance supérieure pour faire ça. Ben, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai rencontré madame, j'ai passé une heure avec elle, puis elle me disait complètement le contraire, qu'elle voulait le trottoir, que même ça lui ferait moins de gazon à couper. Fait que je comprends pas c'est où que ça bloque, là, parce que moi, vous me dites que ça avait été accepté au conseil, j'ai vérifié dans les procès-verbaux, j'ai rien trouvé là-dessus. Ça ne demandait pas nécessairement une résolution du conseil pour faire un bout de trottoir avec... Ben, c'est ce que vous dites dans votre message, c'est pour la raison pour laquelle je voulais vous faire écouter, pour avoir les faits justes. Ouais, je n'ai pas besoin de me faire écouter un message enregistré, là. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'avais été rencontrer la propriétaire de la garderie. À l'époque, je lui avais expliqué la problématique que j'avais été contacté par des citoyens qui étaient clients, justement, de son entreprise, puis qui m'avaient fait part, justement, les commentaires que vous m'avez parlé, que pour une question de sécurité, etc., puis que la solution, c'était de faire un trottoir qui permettrait de passer, de contourner, puis d'utiliser la bande piétonnière qui est en façade, et puis qui pourrait justement rejoindre le stationnement qui est en arrière, le stationnement qui est juste à côté, qui appartient à la ville, qui permettrait justement aux parents de débarquer, de stationner là, d'utiliser le passage et tout ça. Puis, écoutez, quand est arrivé le temps de mettre en application, moi, ce que j'ai eu comme commentaire, puis comme feedback, hein, comme rétroaction, c'est que la propriétaire a refusé. En tout cas, moi, je vous invite à faire une rencontre avec elle, ailleurs en ma présence, puis on validera les faits, parce que moi, c'est complètement le discours contraire que j'ai de la propriétaire. Ben, écoutez, j'en prends note. Je vais aller la rencontrer de nouveau. Je vais lui refaire la proposition, mais j'invite pas les citoyens à aller rencontrer d'autres citoyens, là. C'est parce que madame, elle aimerait ça. Elle voulait justement venir au conseil expliquer, oui, de dire sa version des faits, mais malheureusement, dans son horaire, ça ne fit pas. J'en prends note. On va prendre une action. Merci, M. Dufresne. Oui, bonsoir. Est-ce que le micro marche? Oui. Lise Stélène Béliveau. Je demeure sur la rue Briand. Alors, j'ai vu aujourd'hui dans le journal de Chambly qu'il y avait une invitation à signer un registre, si j'ai bien compris les tenues du message dans le journal. Alors, nous, on en a signé deux registres sur la rue Briand qui n'ont pas eu tellement d'impact. Est-ce que celui-là va en avoir? Alors, je vais récapituler les faits. La rue Briand, c'est mon quartier. On a voté à deux reprises depuis 5 ans, le plus ou moins, un registre qui demandait le maintien du zonage dans notre secteur. Alors, la Ville, dans son nouveau plan d'urbanisme, a ignoré le résultat des registres qu'on a signés, même double signature. En procédant ainsi, la Ville se retrouvera, en tout cas, en procédant sans tenir compte de la demande de maintenir le zonage. On va se retrouver avec des problèmes de mobilité. Il y a des villes qui essayent de régler des problèmes de mobilité, puis ici, j'ai l'impression qu'on va en créer avec le plan d'urbanisme. Alors, je rappelle les faits, là, dans notre quartier, sur une distance d'à peu près un quart de mille, on a sorti une rue, la rue Briand numéro 2. Alors, Aimé Petit, 2 ouvertures. Là, on a déplacé une maison, puis on a créé une rue, puis on veut densifier en arrière pour ramener ça sous ce cadre de mille-là. Alors, on peut s'imaginer facilement qu'est-ce que ça va donner comme sécurité sur la rue. On est inquiet, là. On se le demande. C'est une atteinte au déplacement sécuritaire sur notre rue. Je pense qu'on peut visualiser qu'est-ce qui va arriver, là. Il va falloir que vous trouviez quelque chose pour améliorer la sécurité. Puis on est situé à mi-chemin entre 3 écoles. Fait qu'il y a des jeunes puis il y a des enfants sur cette rue-là. Fait qu'on demande à nouveau à la Ville de tenir compte du registre qu'on a signé, parce que ça a été complètement oublié dans le plan d'urbanisme, notre demande de maintenir le zonage, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour la Ville de sortir sur notre rue. Puis c'est inquiétant. Puis en fait, je pense qu'on nous a pas tellement écoutés. Fait que si là, on nous propose,
Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Le registre qu'on signerait dans le journal, est-ce qu'il va avoir un impact ou si c'est juste une formalité de signer un autre, un troisième registre? On parle du registre pour le schéma d'aménagement de la ville. Ben c'est ça, le plan d'urbanisme, si je comprends bien, c'est le registre pour le plan d'urbanisme. C'est ça, le plan d'urbanisme pour être en concordance avec le plan d'AMRC. Bon. Là, il faut comprendre que c'est pas un registre qui s'applique à une zone particulière. C'est un registre qui s'ouvre à la ville au complet. Donc, le nombre de signatures va être beaucoup plus grand. Okay. Le nombre exact de signatures, à moins que je me trompe, c'est 2189 signatures qui sont requises. Pour faire quoi sur le plan? Ça va être tout le nouveau plan d'urbanisme, finalement. C'est ça. C'est pour l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Ce qui arrive, c'est que quand il y a une ouverture de registre comme ça, il y a des signatures qui sont demandées. Et ces signatures-là, si le minimum est atteint à ce moment-là, ça demande à la ville d'entamer une autre étape qui est plus grande. Là, on s'en va dans un référendum. C'est un peu plus grand. Là, on s'en va déjà dans une procédure d'ouverture de registre qui touche la ville au complet. Puis qu'est-ce que ça ferait le référendum? C'est ça que je comprends pas. Un référendum, c'est comme passer une élection. Il faut ouvrir un bureau de vote. Les gens, il faut qu'ils aillent aux urnes. Il faut qu'ils aillent statuer sur la question. Oui, ça je comprends, mais ça veut dire que si vous faites un référendum, ça va changer le plan d'urbanisme global, c'est non, ça? Non, ça change rien. Ce que ça dit, c'est qu'il est adopté ou il est refusé par la population. Ça, c'est ce que ça dit. Maintenant, les signatures requises pour l'ouverture du registre, c'est un nombre de signatures minimum qui est nécessaire pour justement aller débuter cette nouvelle étape-là. Comme on a fait dans le quartier, là, signer le registre, puis on avait le double, puis finalement, ça n'a rien changé. Vous avez fait le plan d'urbanisme, puis c'est comme si on n'avait rien signé, finalement. Alors, je me dis, est-ce que le registre, ça va être une chose, encore un autre à signer, puis ça change quoi, là, quel impact que ça a? C'est ça que je me demande. Non, c'est parce qu'il ne faudrait pas faire mélanger les choses, là, nécessairement. C'est un processus qui est obligatoire. On passe par les ouvertures de registre. OK, dans bien des cas, le nombre de signatures est atteint et puis les projets sont abandonnés. J'ai le cas d'ailleurs dans une garderie qui avait été demandée pour un changement de règlement de zonage, un quartier résidentiel. Il y a une garderie qui voulait s'ouvrir, qui voulait acheter une maison. C'est en arrière en arrière du Subway, dans ce secteur-là. Là. OK, puis les voisins se sont mobilisés puis ont dit non, on n'en veut pas. Alors, à ce moment-là, le changement de zonage a été abandonné, tout simplement. Mais c'est ce qu'on a fait à deux reprises. Nous autres, ça n'a rien changé, finalement. On a eu le double. La motivation était là dans le quartier, puis ça rien. C'est comme s'il y avait rien qui s'était passé. C'est-tu juste une formalité ou si ça... Je peux pas commenter cet événement-là de la rue Briand. C'est pas mon quartier. J'ai pas travaillé ce dossier-là. Alors, je serais bien mal à l'aise de vous dire que vous avez raison, que vous avez tort dans ce que vous prétendez, là, que le registre ne tient même pas tenu compte. Mais ceci dit, il y a un registre qui est ouvert, qui va s'ouvrir, OK? Ça s'ouvre, étant donné que ça touche la globalité de la municipalité à ce moment-là, c'est ouvert à toute la population, c'est pas seulement qu'un quartier qui est affecté. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des dates qui sont proposées, puis les gens sont invités à venir signer. Ça sera pas juste une formalité, puis ça va changer des choses si... S'il y a un référendum, en tout cas, je n'allongerai pas l'intervention, mais je ne suis pas très... Vous comprendrez que nous autres, on a signé le registre, puis ça n'a pas changé grand-chose, finalement. On est d'accord, mais advenant la possibilité où la ville, mettons, il y a un référendum, puis la population se mobilise contre, justement, le plan d'urbanisme tel que proposé, à ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi les prochaines étapes. Là. Je peux pas m'avancer là-dedans. Est-ce que la MRC ou est-ce qu'une entité supérieure au-dessus de nous autres a la possibilité de nous imposer quelque chose? Je ne le sais pas. J'ai pas cette donnée-là. Par contre, il y a un registre qui est ouvert, qui va s'ouvrir. Il va y avoir des signatures qui vont se prendre. Il y a des dates qui vont être affichées pour ça. Et puis les gens sont invités à venir signer le registre. Parfait. Bonsoir. 8h26. Bonsoir, Nicolas Bourgault, propriétaire de Bedonden et Bedonron. Bonsoir, M. Bourgault. Bonsoir, ayant un commerce sur la rue historique Ostiguier, comme vous devez le savoir.
Juste pour dire, premièrement, mes salutations à tous les membres du conseil municipal. On a tenté de vous rencontrer tous et chacun et chacune jeudi passé, mais l'accès nous a été interdit. On avait l'intention de échanger sur les grandes orientations de notre ville. Je suis heureux de voir que ce soir, même un papier en main, je suis encore admis physiquement dans cette pièce. Alors, ma question, c'est à savoir, on a remis des informations qu'on voulait échanger, justement, jeudi passé, dans les pigeonniers de chacun et chacune. On voulait prendre, on voulait savoir si vous aviez reçu notre lettre d'information, évidemment concernant le projet de changement de nom de la rue Stigui. Oui, on... Très bien. Bon, parfait. Autre point, je seconde dans le même mouvement... en fait, c'est une proposition à ce que la ville demeure ouverte au changement de nom de la rue Ostigui. Je sais pas, je suis là aussi pour vous mettre au fait. Je sais pas si vous savez, mais de tout ce qui se bouge, ce qui se passe, au niveau de l'incompréhension, au niveau de l'insatisfaction de beaucoup de citoyens de la ville de Chambly, de beaucoup de commerçants, de beaucoup de la société d'histoire, de nous évidemment personnellement, l'insatisfaction de ces changements de nom de rue-là. Je crois fermement que la ville puisse continuer à garder ses engagements d'honorer la famille Petrozza au travers l'honneur qu'ils veulent, que vous voulez faire sur les nouveaux bâtisseurs modernes, sur les nouveaux immigrants. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire en respectant vos engagements puis en respectant l'histoire de la rue Ostigui. Et puis même que cet honneur-là puisse être mis encore plus en valeur. Je vous invite à rester ouvert. Puis j'imagine qu'en temps opportun, on prendra d'autres rendez-vous pour continuer la discussion suite à la lettre que vous avez finalement reçue. Merci. Bonsoir, Ghislaine Harel, secteur 1 des cantons. Moi, bonsoir, Mme Arrête. 8h29, ça va être la dernière intervention. Stressez-moi pas, là. L'intimidation, quoi. C'est pas l'intimidation, c'est la réglementation. Mais c'est pas de ma faute, là. On a le droit à parole, les citoyens, vos questions un peu. La période de questions est de 8h à 8h30. C'est limité à 5 minutes. C'est une réglementation. Bon, je pense tout de suite. OK, vous me stressez. Bon. Il y a 22 comités de la ville. Hein? C'est-tu ça, dans la ville? Il y a des comités. Oui, il y a des comités. Est-ce qu'il y en a 22, 23, 21? Est-ce que tous les conseillers sont sur les comités? Non. Pourquoi? C'est des partis pris politiques, quoi? J'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Vous n'avez pas de réponse? Qu'on a deux conseillers? Oui. Puis il y a deux conseillers indépendants? Oui. C'est ça? Les autres sont sur les comités? Oui. Puis nos deux conseillers de l'autre parti ne le sont pas? Nous autres, en tant que citoyens, j'aimerais qu'ils assistent à des comités pour savoir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui bouge dans la ville. OK, vous faites votre demande. Oui. La question, c'est... C'est injuste pour les citoyens qu'on a voté pour. Ils ont la compétence autant que les autres à être sur des comités. C'est pas une décision qui m'appartient, c'est pas une décision qui appartient au conseil. Bien, c'est qui va me... Ah, c'est ça, c'était voté. C'est un règlement... Ben oui, il y a des règlements qui vont assigner des conseillers à participer à certains, à être assignés à différents comités, oui, effectivement. Mais qui là, décide, qui a décidé ça? Que nos deux conseillers qu'on a élus, qui n'ont pas le droit d'être là. C'est le conseil qui a décidé. C'est le conseil? C'est le conseil qui a décidé par voie de résolution. Bon, abrimer les citoyens là-dessus, c'est beau. Ça fait que j'ai pas de réponse là-dessus, qui sont exclus. J'ai pas de commentaire à faire à ce niveau-là, bon. Désolé. Vous n'en avez pas? Oui, bonjour. Oui. Robert Degg, un contribuable de Chambly. 20h31. C'est pas grave. Non, ben écoutez, c'est parce que... Non, juste clarifier. Non, mais si quelqu'un prend 10 minutes, j'y peux rien, non, moi, en arrière. Monsieur, monsieur Degg, la période de questions dure 30 minutes. C'est une réglementation par la ville qui existe même depuis... 2006, vous le saviez, 2005. Vous le saviez qu'il y avait du monde ce soir, vous le saviez, voyons. Eh oui, mais qu'est-ce que je voulais que vous dise? Ben vous sortez plus c'est de la réglementation. Je les gens plus tard que 8h30 la semaine passée, je veux juste vous dire ça. La semaine passée. Bon. Voilà, on n'est pas 25, là, on est deux. Ah oui.
Pour les fins de l'enregistrement, je le mentionne que c'est 8h31. OK. Je n'ai pas dit que je voulais l'empêcher de parler. J'ai juste dit qu'il était 8h31. Le comité de toponymie. Oui. Où c'est rendu, ça? Ça a été dissous. Il n'existe plus. Pardon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué quand ça a été proposé au conseil, OK, il y a déjà suffisamment... Le comité de toponymie a établi des listes, une liste avec des noms de rues. Et la quantité de rues qui reste à faire à Chambly versus la quantité qu'il y a sur la liste, c'est déjà... La liste est déjà suffisante. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un comité de toponymie qui va se pencher là-dessus pour donner, attribuer des noms de rues. Non, mais si vous faites la rue Sigui, vous laissez ça de même, là, et c'est fini, vous n'avez plus de trouble, là. Ça n'a pas rapport avec le comité de toponymie? Comment? Non, oui, oui, mais là, vous autres, vous allez en avoir besoin d'un. Vous allez arriver qu'il y a eu une autre rue qui va changer, puis vous faites deux stops, là. Vous allez dans deux places à la fois. Pas vrai? Oui. Bon. Alors ça va vous en prendre, le show de toponymie. Là, à un moment donné, ça va coûter 4 000 $, ça, cette affaire-là, pour faire le changement des cartes postales puis toutes ces affaires-là. Vous auriez mis ça dans vos poches, monsieur, c'est la rente contribuable si vous le savez pas. Alors, à ce moment-là, nous autres, on aurait eu notre ville. C'est un charme, le vieux Chambly. Il ne faut pas le changer. C'est aussi clair que ça, monsieur. Je regardais ça, là, puis... Tout à l'heure, faites-vous-en pas, vous en manquerez pas de terrain. Il y a du monde en masse dans le champ qui veulent y aller, là. C'est pas grave, c'est pas de problème. Vous allez avoir de la place en masse pour mettre vos amis, pas de problème. Mais là, les gens qui habitent là, puis les gens qui font affaire là, ben ils veulent bien continuer comme ça parce que c'est merveilleux. C'est bien fait, tout, mais vous n'avez pas besoin de dépenser 5 000 $, 4 000, 5 000 $ juste pour enlever la rue Colborne. Mais faites ce que vous voulez avec, ça me regarde pas. Mais la rue Ostiguier devra rester là. C'est simple, 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 simple. Puis en passant, le comité de toponymie devra revenir, monsieur, parce que le geste que vous êtes en train de poser là, vous faites tout croche. Parce que la personne que vous voulez nommer là, le nom que vous voulez mettre là, j'espère d'attendre 5 ans avant que après son décès. Ça fait seulement qu'un an que le monsieur est mort. OK? Puis ça, c'est votre mère, c'est le maire de Chambly qui me les a en plein visage. Alors, moi, j'en avais un candidat pour aller dans le pot, là. Je suis sûr que c'est rendu aux poubelles, ça, c'est garanti. Parce que vous êtes sur d'autres choses. Puis là, ça va être la bibliothèque. Ça, je suis correct, je suis bien d'accord. Mais imaginez-vous, vous changez ça de rue. Moi, je trouve ça épouvantable. Vous aviez juste à regarder ça de même, puis... S'il y a à faire quelque chose, ben ça va être avec les nouveaux. Les nouveaux avec les nouveaux, le vieux avec le vieux. Tant. C'est tout. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. Lévesque. On peut-tu s'entendre de sa dernière intervention? À moins que le restant de la salle veuille s'avancer. Là, je sais pas. Là. 8h35, oui. Oui, alors une question, peut-être juste un commentaire après, OK? Puis la question, ça va être dépendamment de votre réponse. Alors, le mois dernier... S'il vous plaît, dans la salle, non, s'il vous plaît, il y a une personne qui a le courage de venir se présenter au micro et poser ses questions. Si vous voulez intervenir, il fallait se présenter en arrière puis prendre la place puis attendre d'avoir son tour au micro. Les gens dans la salle, s'il vous plaît, laissez, par respect à ceux qui interviennent au micro, s'il vous plaît. Merci. Ça fait pas partie de mon 5 minutes, ça, là. Non, ça fait pas partie de votre 5 minutes. OK, parfait. Excellent. Alors, en fait, là, le mois dernier, M. Oui? Lavoie a fait identifier les ajouts à l'ordre du jour en disant que c'était lui qui le demande. Alors, ma question ce soir, d'où le principe où je vous dis la réponse va dépendre de vous. Est-ce qu'il y a des ajouts ce soir? Et si oui, lesquels? Il va en avoir, à la demande de M. le maire, effectivement. Mais vous comprendrez que d'identifier les ajouts avant la période de questions, ça a son importance. Question de transparence, là, ça a son importance. Alors, je note, j'attends vos ajouts. OK.
Les ajouts n'ont pas encore été déposés, mais... Et c'était le cas le mois dernier, je vous signale. Écoutez, on va laisser la parole à la greffière qui va être capable de vous lister justement les ajouts. Ah, monsieur le directeur général, oui, bon. L'ajout 1, c'est la création de poste agent suivi. Pardon, je m'excuse, j'ai pas compris. Pour supposer, bon. Donc, 12.1, la création de poste agent suivi. 12.2, demande de rapport de la séance ordinaire du Conseil du 6 mars 2018. Puis 12.3, renouvellement du partenariat annuel prestige de la Chambre de commerce et de l'industrie du bassin de Chambly au coût de 7 500 $ plus taxes pour la période de février 2018 à janvier 2019. C'est les trois seuls ajouts. Oui. Parfait. Bon. Donc, ce que je comprends, c'est que ces ajouts-là, il n'était pas prévisible avant de déposer ça une demi-heure avant la réunion. Là. Bon, écoutez, il y a peut-être eu des oublis dans l'établissement de l'ordre du jour. Il y a, écoutez, j'ai pas... OK, parfait. Vous comprendrez que c'est pas moi qui fais l'ordre du jour. OK, alors c'est possible qu'il y ait des oublis. Je sais qu'on a eu une demande de M. Lambert, justement, de reporter la séance du mois de mars. Alors donc, ça a été oublié dans l'ordre du jour qui a été soumis vendredi dernier. À ce moment-là, ça a été rajouté ce soir. Même chose, je crois que pour le renouvellement du membership pour la Chambre de commerce du bassin de Chambly, ça a été un oubli, ça a été rajouté, c'est rajouté ce soir. Puis le poste de l'agent de suivi, c'est tout rajouté, oui. Bon. Oui, mais on comprend, c'est rajouté. Là. Mais ma question, c'était est-ce que c'était prévisible que de l'indiquer dans l'ordre du jour en termes de projet au départ. Là. Ce n'est que ça, là. Ben écoutez, et moi, je ne vous parle que de transparence, là. Je ne suis que là-dessus. Oh oui, je vous entends. Parfait. Maintenant, okay. En ce qui concerne justement ces ajouts-là, si ça arrive, on constate comme quoi il y a des modifications qui doivent être apportées à l'ordre du jour, un point qui a été oublié, qui doit être modifié, ben à ce moment-là, c'est des choses qui sont distribuées la journée même. Parfait. OK. Donc, juste un instant, oui. Ben, je vous laisse présider, là. Oui, OK. Parfait. Donc, on clôt ce volet de questions-là. L'autre, c'est un commentaire. On parlait du registre qui, oui, initialement, a été prévu pour une journée, aujourd'hui même, le 6 février, qui a été annulé, qui a été reporté pour la tenue sur 4 jours. Oui. Vous avez répondu à une citoyenne tantôt en disant que le registre portait sur le plan d'urbanisme. Je veux juste vous amener sur des précisions là, d'ordre technique et légal. Là. C'est que le plan d'urbanisme, il a fait l'objet de consultations. Oui. Il y a plein de gens qui se sont présentés à la salle des aînés pour faire part de leurs commentaires là-dessus. Le résultat, ça a été de densité prévue sur le plan d'urbanisme initial. Il y a eu 22 résidences sur 700 quelques qui ont été coupées. OK? La préoccupation des citoyens de Chambly, là, c'est la densité des développements qui se font depuis des lunes. Alors, là... vous dites la préoccupation des résidents... Des résidents, mes voisins en sont. Mais j'apprécierais que vous parliez en votre nom seulement. Si vous dites que c'est votre préoccupation, pas de problème. Parlez pas au nom des citoyens. Écoutez, moi, je suis ici depuis 2012, je vous suis depuis 2012, puis je vous le dis depuis 2012. Fait que, oui, prenez ça comme étant un commentaire de Jean-Marc Lévesque. Ça va? Parfait, merci. Parfait, excellent. Alors, donc, partant de là, le registre, il est appelé au niveau du règlement de lotissement et du règlement de zonage. Parce que le plan d'urbanisme, il était en consultation, on a dit ce qu'on avait à dire, puis ça n'a pas donné de résultat, comme madame le précisait tantôt. Alors, le registre porte sur le règlement de zonage, le règlement de lotissement, puis là, il faut appeler un chat, là. Les règlements de zonage et de lotissement sont les outils pour appliquer le plan d'urbanisme. Donc, l'alternative que les citoyens ont, c'est de battre ces deux règlements-là qui, eux, sont toujours soumis à l'approbation référendaire. Ben, merci pour ces précisions-là. Je vous remercie, monsieur. Oui, madame Labbé. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie des ajouts à l'ordre du jour? On va les remettre. Merci.
Alors, donc, 8h42, on procède. Je l'ai. S'il vous plaît. Bon. Alors, ça répond à la question s'il y a des ajouts à l'ordre du jour. Maintenant, est-ce qu'il y a des retraits? Aucun retrait? Aucun retrait. D'accord. 1.1, adoption de l'ordre du jour avec les points 12.1 à 12.3. Je propose. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018. Je... 3.1, présentation du règlement d'emprunt 2018-1380 décrétant une dépense et un emprunt de 2 995 000 concernant des travaux de modification du système de modification de réfrigération d'architecture de structure de mécanique d'électricité au centre sportif Robert Lebel, phase 1. Ce que je peux ajouter, c'est que c'est un emprunt de 25 ans et c'est applicable sur tous les immeubles imposables à la municipalité. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? 4.1, adoption du règlement d'emprunt 2017-1373, décrétant une dépense et un emprunt de 1 714 000 concernant des travaux de pavage et un emprunt de 1 714 000, bravage, bordure, éclairage et clôture et aménagement piétonnier pour les rues François-Valade, Napoléon-Bisson, Michel-Nicole, René-Lheureux et une partie de la rue Louis-Philippe-Hébert. Je propose. Appui. 4.1 d'adoption du règlement d'emprunt 2017-1374, décrétant de dépenses et un emprunt de 1 650 000 pour la réfection des infrastructures de la rue Castin. Je propose. Appui. Monsieur Gélina. Puisqu'on l'adopte ce soir, les citoyens de rue Castin. À quel moment les gens de la rue Castin vont être avisés qu'ils font les travaux? Je ne peux pas vous répondre là-dessus maintenant, étant donné qu'on va tout préparer, mais aussitôt qu'on va avoir la sécurité, on va aviser. Parce que c'est sûr que je ne dirais pas que Milan, on fait des planifications cet été, puis se retrouve à ne pas être capable de faire arranger leur système parce qu'on ouvre la rue. C'est beau. Oui. 5.1, ratification d'embauche et de fin d'emploi d'employés temporaires. Je le propose. Je l'appuie. 6.1, approbation du paiement des comptes PM pour les activités financières au 6 février 2018. Je le propose. Je l'appuie. 6.2, dépôt des listes des paiements effectués à l'égard des dépenses préautorisées pour les activités financières et les activités d'investissement pour la période du 17 au 31 janvier 2018. Ah, pour les fins d'enregistrement, M. le directeur général tente de me remettre et me remet. Voilà, merci. Merci. 6.3, dépôt par le directeur général de la liste des amendements budgétaires pour la période du 1er au 31 janvier 2018. Alors, pour les fins d'enregistrement, M. le directeur général me remet la liste. M. Lambert? Oui, une question peut-être au directeur général. Alors, concernant le point 6.3, on a reçu un document là, de deux pages, qui est le document que vous venez de déposer. Alors, on le reçoit régulièrement, ce document-là, c'est des petits ajustements, manque de fonds, etc. Mais il y a un montant qui détonne, qu'on n'a pas d'habitude, c'est un montant de 200 000 qui est changé d'un compte à un autre de la cour municipale. Alors, c'est pour quelle raison? Que... Parce que en tout début d'année, les comptes, lorsqu'on s'en va vers un compte fournisseur pour payer les factures, les comptes sont à zéro. Alors, on est en début d'année. Donc, c'est pour ça qu'on effectue ce genre de transfert-là pour permettre de payer nos fournisseurs. Vous savez qu'on fait affaire avec des villes, avec Richelieu, avec Terrien. Donc, il y a des comptes qu'on doit payer. Donc, quand le compte est à zéro, on prend un 200 000 qui est dans le bilan, on fait le transfert, et par la suite, ça se régularise avec le temps. C'est juste temporaire. OK, donc, c'est provisionner un compte. Là, de cette façon. Parfait. Merci, M. Larose. 6.4, dépôt du rapport de la Direction générale sur la délégation de pouvoir de dépenser en matière d'honoraires professionnels ou autres, dépenses inférieures à 25 000 $. Ah, pour les fins d'enregistrement, le directeur général m'a remis la liste. Merci. 6.5, ajustement des besoins en scénographie pour le projet du pôle du savoir d'histoire et de la culture. Je propose. Et puis. J'avais une question. Madame Labbé, oui. Concernant le
concernant ce point-là. Juste un instant. Merci. Il y avait deux conseils. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Je sais, là, on a déjà parlé des dépensements de coûts, là, avec la division du projet, là, pour le savoir. On essaie de contrôler les dépenses. Là, je remarque qu'on a contracté un contrat en 2016, donc il y a à peu près un an et demi, pour 56 000 $ Puis là, on a un dépassement de coût. On le majore de 27 000 $ Ça veut dire que ça coûte la moitié du projet du début. Là. On rajoute ça sur le... Est-ce que c'est quelque chose qui est normal, qui est usuel, qui arrive souvent? Parce que je trouve que c'est un méchant gros dépassement de coût d'augmenter le projet de 50%. C'est des choses qui peuvent arriver, considérant que c'est des services professionnels qui sont très particuliers. On parle de scénographie. Alors, donc, on est quand même limité dans la possibilité d'avoir des entrepreneurs là-dedans. Ça prend vraiment un spécialiste. Et puis, écoutez, dépendamment comment est-ce que le projet évolue, tout ça, ça peut faire que les coûts varient. Maintenant, sur la hausse, avez-vous plus de détails? Je peux juste vous dire que, oui, les services de Mario Brien, dans un premier temps, c'était évalué à 56 215. Dans un deuxième temps, on a amélioré ce qu'on avait besoin au niveau de la salle de spectacle, et c'est surtout au niveau des tribunes, du système de lavage et de la sonorisation et du rideau de scène. Mais étant donné qu'on a rajouté des choses, qu'on a amélioré notre salle de spectacle, le pourcentage, parce que c'est des honoraires qu'on paye à service Mario Brien, bien, étant donné qu'on a augmenté notre amélioration de nos structures, fait en sorte que ça augmente ses honoraires. C'est au pourcentage. Donc, c'est juste au niveau de ses honoraires. Il y a 25 000 de plus qui va se rajouter. M. Larose, dois-je comprendre que c'est juste des honoraires, il n'y a pas de matériaux qui est acheté là-dedans? Non. Là, un système d'insonorisation. C'est tout le travail qui a été fait. C'est juste, c'est ça. Oui, parce que ce monsieur-là, ça fait un an, trois mois qu'il travaille là-dessus. Oui. Puis on est son seul client. Là, en tout cas. Oh, ben oui. On ne peut pas se permettre de changer non plus. OK. Mais on peut-tu considérer que c'est comme... On n'aura pas d'autres, j'espère? Non. À moins qu'on décide, à moins que les besoins changent, qu'il y ait des modifications qui sont apportées dans le projet, comme une scène plus grande, plus petite, les hauteurs, les dimensions, whatever, c'est là que ça vient changer. Parce que, comme ça a été expliqué dans les considérants, c'est vraiment les besoins qui ont été, ils ont eu une modification dans le fond des conditions du contrat. Là. On a un fonctionnaire qui est chargé de surveiller ça. Bon, c'est pas juste un fonctionnaire, c'est toute une équipe. Là, Oui. Merci. 6.6, projet informatique 2018 pour un total de 33 000 $ Je le propose. Je l'appuie. 7.1, consultation publique sur une demande de dérogation mineure sur le lot 2 042 375 969 avenue Salaberry afin de créer deux terrains comportant un frontage sur la rue Moquin de 14.1 mètres au lieu de 15 mètres sur une profondeur de 25.29 mètres plutôt que 30 mètres et une superficie de 354 mètres carrés au lieu de 450 mètres carrés et à réduire la marge arrière de l'habitation existante au 969 avenue de Salaberry. À 2,6 mètres plutôt que 7,5 mètres, recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, CCU. Est-ce que des gens qui veulent se prononcer sur ce, veulent poser des questions sur ce point-là, uniquement sur ce point-là? Non? Alors, 7,2, 7 demandes de dérogation mineure. Qui a proposé? Madame Rodriguez. Madame Rodriguez. Et qui a appuyé? Monsieur Gélinas. Monsieur Gélinas. Merci. 7.3, consultation publique, demande de dérogation mineure au 1000 boulevard industriel BMR. Recommandation positive du CCU? Une consultation, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer là-dessus? Uniquement sur ce point-là. Il n'y en a pas. Alors? Pour le prochain point, j'aimerais que ce soit noté mon abstention, s'il vous plaît. OK. OK. Alors, pas. Merci. Pour le 7.4. Oui. OK. Alors, 7.4, demande de dérogation mineure pour le 1000 boulevard industriel. Je le propose. Je l'appuie. 7.5, projet d'agrandissement résidentiel au 24 rue Langevin, PIR, recommandation positive du CCU. Je le propose. Je l'appuie.
7.6, projet de rénovation résidentielle au 37 Saint-Pierre, PIA, recommandation positive du CCU. Appui. 7.7, projet d'agrandissement et de transformation de l'immeuble 1307 avenue Bourgogne, PIA, recommandation positive du CCU. Appui. 7.8, projet d'agrandissement et de rénovation commerciale au 850 boulevard de Périgny, PIA, recommandation positive du CCU. Je le propose. Je l'appuie. 7.9, projet de rénovation résidentielle au 9 rue La Fontaine, PIA, recommandation positive du CCU. Je le propose. Je l'appuie. 7.10, projet de rénovation résidentielle au 1921A rue Saint-Jacques, PIA, recommandation positive du CCU. Je le propose. Je l'appuie. 7.11, acquisition du lot 674-538, Cadastre du Québec, propriété du groupe Jean Coutu pour la municipalisation des accès commerciaux. Je l'appuie. Monsieur Lambert? J'ai une question. Ben, j'ai cherché le lot sur InfoLot. Il n'est pas sorti, j'imagine, c'est une technicalité. Oui. Le lot n'existe pas. La réponse à votre question, c'est qu'on connaît le numéro de lot, et l'arpenteur géomètre ne l'a pas encore déposé. Donc, c'est une question. Mais ça se trouve à tout, ça. Ministère du Développement durable. Pardon? C'est pas déposé au ministère du Développement durable. C'est pas déposé, mais on peut tout savoir un peu c'est où l'endroit? C'est le chemin entre les différents commerces. Ah. Ils sont ici. IGA. Ouais. C'est le chemin entre l'IGA, le Jean Coutu, le Saint-Hubert. C'est le Saint-Hubert Barbecue. C'est le chemin là qui va. Merci. Ah. Merci. J'avais mal compris votre question. Ministère du Développement durable. Excusez. 7.12, acquisition des lots 2 043 079 et 2 043 103 du Cadastre du Québec pour le prolongement de l'avenue Bourgogne. Je le propose. Et puis, M. Lambert. J'ai une question. Eux autres, je les ai trouvés, par contre, sur InfoLot. Alors, si je comprends bien, la ville se porte acquéreur de 2 terrains lui permettant ainsi le prolongement de l'avenue de Bourgogne. Je ne me trompe pas? Exact. OK. Est-ce qu'il serait de bonne gestion, puisqu'on est une ville bien gérée, de commencer par peut-être passer à travers l'étape du registre avant d'acheter 2 terrains qui pourraient nous servir à rien si jamais le registre, il y a plus de 2199 signatures? Est-ce que ça... Il me semble que... Je ne suis pas contre l'achat, là. Mais qu'on aurait peut-être dû le passer dans une séance subséquente après le registre. Parce que si le registre, il y a effectivement le nombre de signatures requises, bien, on va être pris, la ville de Chambly, le conseil municipal, à entretenir 2 lots qu'on ne peut pas rien faire avec. C'est comme mettre la charrue avant des bœufs, là. Ou au contraire, là, les bœufs à ma charrue. Je vous pose une question. Monsieur Vina. Ah, c'est pas pour le prolongement de Bourgogne, c'est quelque chose de prévu nonobstant. C'est par rapport à la situation actuelle du quartier qui fait que la problématique de grande circulation, il faut déjà la régler. Oui, mais ça, c'est en lien avec le fait qu'il faut sécuriser justement l'intersection de la rue d'Aiguillon et Périgny. Alors donc, pour être capable de sécuriser ça, il faut prolonger la rue Bourgogne de façon à ce que les gens puissent passer par Bourgogne plutôt que de tourner puis traverser Périgny. Je suis d'accord, mais si le registre, par exemple, il y a plus de 2199 signatures, c'est donc un rejet total. On ne peut pas la passer, la rue de Bourgogne. Anyway. Oui. Ben oui, c'est le conseil qui décide. Ben non, parce que la rue de Bourgogne, elle va s'arrêter au bout des 2 terrains. Elle ne peut pas continuer sur l'autre terrain qui, lui, fait partie du registre. Tu sais, on ne peut pas faire une rue puis l'arrêter avec des blocs de ciment, là. Moi, je ne suis pas contre. Je vous dis qu'on devrait la passer après la signature du registre. C'est la logique commerciale, financière. C'est parce que... Bon, ben le vote est demandé. qui demande le vote? Qui vote pour? Qui vote contre? OK.
7.13, renouvellement de la location terrasse commerciale pour l'emprise de la voie publique 1754 avenue Bourgogne pour la crèmerie de l'Écluse. Je propose. Je l'appuie. Point 1, aide financière de 1 800 $ à l'Association Hockey Mineur de Chambly pour la tenue de l'événement Chambly Revers 2018 qui se tiendra au Centre sportif Robert Lebel du 23 au 25 mars 2018 et gratuité des heures de glace pour la tenue d'une partie des anciens Canadiens le 24 mars de 15h à 17h. Je l'appuie. 8.2, achat d'un aérateur Semoir de type Aéravateur UA60 à OG Compagnie Limitée pour l'entretien des terrains sportifs. Propose. Je l'appuie. 8.3, octroi d'une aide financière de 17 000 $ à Centre Amitié Jeunesse Chambly, soit une somme de 5 000 $ pour le soutien à son engagement social et une aide technique d'une valeur de 12 000 $ pour la réalisation d'une programmation d'activité s'adressant aux jeunes de Chambly. Je le propose. Je l'appuie. 8.4, aide financière de 1 000 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne Québec Inc. pour la saison 2018. Je le propose. 8.5, autoriser le droit de passage et le prêt d'équipement d'une valeur de 1 236 $ à la Fondation Taxi Canada dans le cadre de l'activité cyclosportive Défi à taxi sur le territoire de la ville de Chambly, samedi le 25 août 2018. Je le propose. Je l'appuie. 8.6, vente publique de livres usagés à la place de la Seigneurie, samedi 12 mai 2018, au profit de la Fondation J'ai faim à tous les jours, et celle du samedi 15 septembre 2018, au profit du Club d'échecs de Chambly. Je le propose. 8.7, octroi d'une aide financière de 2 000 $ au Club d'échecs de Chambly pour la location des locaux au Centre des aînés pour l'année 2018. Je propose. Je l'appuie. 8.3, donation financière de 3 500 $ et un tout soutien technique d'une valeur globale de 4 700 $ au Club de photographie Liris de Chambly pour l'organisation et la présentation de 2 expositions extérieures dédiées à leurs membres et ayant pour thème « Traces humaines » à l'été 2018. 8.9, achat d'une paire de buts de soccer semi-permanent distribution sport loisirs GP Inc. au montant de 7 875,79 taxes incluses pour le terrain de soccer 3 au parc Robert Lebel. Propose. Je l'appuie. 9.1, entente entre la ville de Chambly, le poste de camionnage en vrac région 06 pour la location de camions avec opérateur sur demande pour le transport de neige pour la saison hivernale 2018. Propose. J'ai une question. Monsieur Lambert. Oui. Ça, c'est pour cet hiver. Quand on dit hiver 2018, c'est maintenant. Oui. OK. On a déjà commencé à payer ces gens-là. On a déjà des factures qu'on a payées, c'est bien ça, Monsieur Larose, pour l'hiver 2018? Effectivement, oui. OK. Moi, je croyais que toutes les résolutions devaient être, les dépenses, devaient être avant approuvées par une résolution, avant que ça passe au conseil, avant que la dépense soit effectivement effectuée. Donc, je comprends bien, on effectue des dépenses avant que ça passe en résolution au conseil. Non. Je dirais que je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne connais pas la période du dernier contrat. OK. Okay? Parce que la première chose. Ma question, c'est... Deuxième chose, je n'ai pas besoin d'aller dans l'appel d'offres dans ce genre de dossier-là parce que c'est réglementé par le gouvernement. Il y a une grille tarifaire du gouvernement, c'est nos artisans, puis si on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres en le 573 de la loi des cités et villes. Donc, considérant ceci, la seule information que je n'ai pas, que je ne peux pas vous donner à soir, c'est la durée du contrat, quand elle a commencé et quand elle a terminé. Okay. Mais, je ne veux pas voter contre ça, là. Je veux juste savoir, avant, dans le conseil de ville, avant qu'on effectue une dépense, on doit passer une résolution. Oui. Je peux aussi répondre à la question. Ils sont peut-être pas encore payés aussi. Non, je suis d'accord. Ça prend 30 jours, des fois 60 jours. Fait que, de toute façon, si jamais une dépense qui est faite, on n'a pas encore eu les chèques. Je suis d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de problème, là. Il y avait tantôt un point à l'ordre du jour qui a passé vite. J'ai pas eu le temps de faire mon intervention, je l'avoue. Mais il y avait 3 fois le mot rétroactivement. OK? Et M. le maire m'a bien expliqué, c'est très clair. On ne peut pas faire une dépense tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une résolution
qui a été voté ici par le conseil de ville souverain de Chambly. C'est clair, il l'a écrit. Oui, s'il y a des erreurs. Oui, bien bon. C'est ça. Ben, une ville, c'est exactement ça. Ça. Alors, fonctionne tantôt, une ville, donc, on peut en passer rétroactivement. C'est ma question. La question, c'est que s'il y a des ajustements à faire, on va le faire. Moi, je m'en devrais. C'est une discussion qui va nulle part. Non, t'as pas besoin. Non, il n'y a pas de vote. Mais de toute façon, le vote est demandé, là. Ça va nulle part. C'est pas ce que tu cherches à prouver. Bon, le vote est demandé, mais M. Ricard avait tout de même proposé. Alors, qui appuie? Moi, il appuie. Non, mais vous aviez déjà proposé, M. Ricard. Bon, allez-y. Ah, appuie. Vous appuyez, OK. Mais qui vote pour? Alors, tout le monde vote pour. On fait régner. Un cours sans un, c'est les finances. J'ai pas besoin de cours de toi, je te jure. Je le sais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 10.1, engagement de la ville à aménager une bande riveraine près du cours d'eau Simard. Je l'appuie. 10.2, autoriser le dépôt d'une demande de subvention pour le programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, Fonds des petites collectivités, volet 2. Je l'ai. 10.3, honoraire supplémentaire à Stantec pour le projet de modification du système de réfrigération au centre sportif Robert Lebel au montant de 31 618,13 taxes incluses. Propose. Je l'appuie. 10.4, honoraire supplémentaire à Groupe ABS Inc. pour les études géotechniques des rues Hertel et Castin au montant de 2 413,47 taxes incluses. Propose. Je l'appuie. 11.1, acquisition du module IPIQ pour la formation des pompiers. Je propose. Je l'appuie. 12.1, création de poste agent de suivi. Je propose. Je l'appuie. Le vote est demandé. Qui vote pour? Qui vote contre? 12.2, demande de report de la séance ordinaire du Conseil de mars du 6 mars 2018. J'ai une question. Ben, attendez, on va suivre les procédures, proposeur, demandeur, puis les questions après. D'accord. Ben, je propose. OK. On a voté. Ça vient d'être écrit. Non. Il y a quelqu'un qui peut demander le vote pareil. Je me dirai quand je pourrais poser ma question. Ben, Marie-La, Monsieur Lambert, vous aviez. Oui, allez-y, posez votre question. Moi, j'ai déposé cette proposition-là. Je l'ai déposée vendredi, je pense. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai proposé, par contre. Alors, moi, je propose ça simplement pour les familles de Chambly qu'on puisse reporter la séance du conseil du mois prochain d'une semaine. Monsieur Lambert, juste rétablir un peu. Aviez-vous une question ou si vous vouliez juste donner des explications? Non, puis... je l'ai résumé. Non, OK. C'est bon. D'accord. Votre question étant? C'est tout. OK. Monsieur Ricard, vous aviez demandé le vote? Oui. D'accord. Le vote est demandé. Le vote demandé par Monsieur Ricard. Qui vote pour? Pour. Et qui vote contre? OK. 12.3, renouvellement du partenariat annuel prestige de la Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly au coût de 7 500 $ plus taxes pour la période de février 2018 à janvier 2019. Juste un instant, monsieur Gélina va quitter la salle. Retrait de la salle de monsieur Gélina. Parfait. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Je propose et je demande le vote. Plus, demande le vote. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Seconde? Je seconde. OK. Qui vote pour? Et qui vote contre? Je m'excuse. Le vote a été demandé. Une fois que le vote est demandé, qu'on procède au vote,
il n'y a plus de débat, là. Non, je ne mais... demande pas de débat, je demande que quelque chose soit noté aux minutes. C'est quelqu'un du MAMO qui m'a dit que j'avais le droit de le faire. Okay. Je veux que ce soit noté puisque je ne peux pas m'abstenir de voter parce que je n'ai pas eu l'information que je vote contre pour ces raisons-là seulement. Donc, puisque ce soit écrit aux minutes. Okay. Que? Puisque je ne peux pas m'abstenir et que j'ai eu l'information à la dernière minute, je vote contre. Que vous votez contre parce que vous l'avez eu à dernière minute. Et que je ne peux pas m'abstenir. Je pourrais m'abstenir, m'abstiendrai. OK. Bon. Levée de la séance. Merci. Bonne fin de soirée. Comment tu voyages?